Donc le rosé, c'est ni plus ni moins qu'un raisin rouge qui va être vinifié comme un vin blanc. À savoir, on va presser le raisin et comme la peau est très riche en couleurs, c'est elle qui va libérer, qui va donner la couleur à tout le vin. Évidemment, on essaye de presser de manière très délicate pour avoir des rosés assez clairs. Et ensuite, on va faire fermenter un jus comme un vin blanc tout à fait classique, en travaillant sur quand même des températures assez basses pour rester sur des arômes très frais, très fruités, très, très faciles à boire. Les rosés, même si on est sur des bases de Syrah Grenache, vont rester toujours assez clairs. Et aujourd'hui, on peut dire que ces rosés se dégustent tout au long de l'année, quels que soient les repas. Ce sont des vins qui s'apprécient très facilement.